Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette partie numéro 7 du Let's Play de Fear. Donc on s'est arrêté en fait, on vient de cette fenêtre. Nous avons sauté pour atteindre le sol, hein, tout simplement. Et là on recherche la scientifique Alice. On doit essayer de la retrouver, il me semble en tout cas. J'espère que les épisodes précédents vous ont plu. Mais bon. Attendez, il se passe quoi dans la télé là? Hein? Je te rends quoi? J'ai rien pris du tout, Alma, c'est pas moi. Je sais pas si on l'a très bien entendu. Madame? Elle a décidé de nous faire un peu peur. Wow. Oh. Tout de suite, là, ils m'ont vu. Et toi, t'es pas mort, toi? Ah, ils arrivent. On va les laisser venir. Putain, mais... des dégâts là, vraiment bêtement au niveau de mon armure et tout, enfin mon armure, mon gilet pare-balles plutôt. Wow. On va attendre que les réflexes remontent un peu là. Il est où? Putain, il est là. Mais bon, il est mort. J'ai pas une autre arme là, parce que j'en ai un peu marre de celle-là. Ouais, non. J'ai un fusil à pompe. Si les ennemis sont près de moi, ça le fera plutôt bien. Comment on fait déjà pour ramasser? Ça fait un petit moment que j'ai pas joué là, presque... pratiquement une semaine, pour arrondir. Et j'ai un peu oublié les touches, mais ça va revenir très très vite, vous inquiétez pas. Ah, faut que je pète ça, je pense. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ah si. Alors? Ils veulent pas que je passe. Vous ne passerez pas. Bon. Non, non, ils veulent vraiment pas. On va écouter, passer par un autre endroit. Je vois pas du tout là, c'est bizarre. Non mais on doit passer par là, c'est... Ah, là je passe là, voilà. Ah, une petite sauvegarde auto. Ah, je suis en train de convertir en même temps l'épisode 6, là, en même temps que je joue, donc j'espère que ça va pas me faire laguer. Logiquement, non. Hop. Putain, j'ai eu de la chance que ça m'ait pas... Pas mort quoi. J'ai fait n'importe quoi. J'ai joué n'importe comment. J'ai pris énormément de dégâts. J'ai du mal là. Wow. Effectivement, je fais n'importe quoi. Bon, on va essayer de se concentrer un petit peu là. Déjà, on prend une autre arme. Là, il y avait une autre trousse de soins que j'avais pas pris. Allez.
On va pas se faire avoir deux fois. On va les attendre patiemment. Et on va y aller. Où sont les autres? Putain, mais je vois que dalle. C'est dingue. En plus là je peux pas recharger parce que j'ai plus de munitions. Oh. Ramasser ses munitions à lui. Hop. Putain, mais nous on voit rien avec la fumée. Oh là là là. Là. J'ai plus de munitions, j'ai plus rien, c'est super. Bon. On va se soigner un petit peu. Merci d'être venu. Oh là là, je l'aime vraiment pas celui-là. Et il a pas l'air de m'apprécier non plus. Attends, je suis gentil. Je suis pas méchant, monsieur. Pourquoi tu veux me tuer? Je crois qu'on va faire le fou. Putain, c'était moi, lui. Bon, j'ai vu qu'il y avait un gilet pare-balles. Voilà. En plus, il m'a donné 70. C'était pas un gilet pare-balles de merde. Non, pas mal de trousses de soins. Ah bah là, c'est bon. Hop, on a fait le plein d'énergie. De gilet pare-balles, je veux dire. Par contre, faut que je passe par où, du coup. Peut-être que j'ouvre ça. Non. Dans le camion, il n'y avait pas une porte. Donc, que dalle. Ah. Il y a une petite sauvegarde automatique. J'aime pas ces ruelles. Bordel. Ça a pas la tête. Ils ont failli m'écraser, quoi. Ils ont jeté une grenade. Ils l'ont jeté où la grenade? Putain, mais ils sont énervés aujourd'hui. Parce que je vous ai laissé une semaine sans que je joue, c'est pour ça. On resserre. Tiens. Une grenade. Non, j'ai plus de grenade, merde. Et j'ai pas énormément de munitions. Vraiment que je ramasse. Oh, tu veux pas t'avancer un peu? Ils veulent pas avancer, hein. Ouais, jette ta grenade, c'est ça. Allez. Putain, je sais pas combien de munitions il a, enfin de tirs il en faut pour les tuer, mais même le fusil à pompe là il devient
Il devient faible, putain. Il est nulle part. Ah, mais putain, il y en a combien? Wow. Est-ce qu'il y en a encore? Putain, mais... ils sont combien? Bon, ça s'est calmé. J'ai repris un petit peu de munitions, mais c'est pas encore la joie à ce niveau-là. Le complexe de Rammelmeyer est droit devant. On dirait que la plus forte concentration d'ennemis est dans cette zone. Il n'y a rien dans les poubelles. Bon. C'est quoi ce bruit? Faut que je fasse quoi là? Ah d'accord. J'ai un peu peur là. Oh là là. Cette zone a l'air vraiment très très vaste. Je peux pas passer là-dedans? Allez, il y a de l'énergie là. Ah, parfait. Je sais pas si c'est ici qu'il faut que j'aille, mais... En tout cas, j'ai pu y aller. Fais gaffe qu'il n'y ait pas de sniper en... là-bas, là, au loin, parce que... Putain, je sais pas pourquoi, je sens qu'il va y avoir encore un véhicule. Putain, je vais tester. Oh. Putain, il y a rien du tout. Non, mais là, ils font chier ces véhicules, hein. J'espère qu'il n'y en aura plus maintenant, parce que ça me fait un peu peur, je crois que je les vois. Et... en fait, on sait pas quoi faire. Ah, j'ai tenté d'aller en arrière, c'était ça, j'ai eu de la chance, mais à Auburn semble la précédente. Peu après que l'hélicoptère s'est écrasé sur le toit d'un hôtel. Ah oui, et comme vous pouvez le remarquer aussi, maintenant, on a les sous-titres, mais ils sont vraiment tout petits. Comme je vous disais, en fait, dans l'épisode 1, tout simplement, le jeu n'est pas fait pour tourner en 1080p, donc en 1920x1080 au niveau de la résolution. Du coup, les textes sont tout petits. Alors, j'ai essayé de trouver un patch officiel ou non, hein, pour essayer de corriger ça, mais j'ai rien trouvé. Donc, je vous ai quand même mis les sous-titres, mais c'est vrai qu'ils sont écrits en tout petit. Alors, on peut les lire si on regarde la vidéo en plein écran, mais c'est vrai qu'en mode fenêtre, c'est un peu compliqué. Je sais qu'il y en a un autre là. Allez. Il n'y a pas d'autre. On voit vraiment pas grand chose. Hein. Par où je pourrais monter? Faut que je fasse quoi? Ah. Non, c'est pas ça. Je ne sais pas. C'est bizarre. Ah d'accord. Eh bien, fallait le trouver. Il n'y a rien d'autre à ramasser. Je ramasse des munitions, hein. J'essaie de faire le tour. Il vient d'où? Oui, il... je le vois pas. Il... on a d'autres? D'autres.
voyez, j'aurais monté l'échelle, il aurait pu me shooter comme un pigeon. Heureusement que j'ai vu avant. Ils m'ont bien touché à cela. Bon. Fallait pas que je vienne ici, faut que j'essaye d'aller de l'autre côté. Alors comment est-ce que je peux y avoir accès? Alors, qu'est-ce que je fais? J'essaie de voir par là ou... Ok, hop, ça fait du bien. Par contre là il y a quoi ici? J'hésite à y aller. Ah, tant qu'on n'est pas obligé, je vais pas y aller. On sait jamais. Je n'ai pas assez de courage aujourd'hui pour m'aventurer là-dedans. Putain, il m'a fait peur ce con. Tu peux pas mourir allongé comme tout le monde. Un petit gilet pare-balles. Bah, apparemment, je suis obligé d'aller là où j'ai vu le truc tout à l'heure. On va prendre ça. Ouais, apparemment. Je crois qu'il faut que j'y aille. Hein. Je suis obligé. On va y aller. Oh putain, mais quel con. Je m'en doutais. Parce que j'aurais dû appuyer sur F pour descendre l'échelle tranquillement. Et j'ai sauté comme un boulet. Putain de merde. Putain. En plus ils vont pas descendre. Ils peuvent pas. Bon. On va essayer de faire ça vite fait hein, maintenant. Vu que je l'ai déjà fait tout à l'heure. Désolé pour le fail. Enfin vous devez avoir l'habitude maintenant, je pense. Allez, viens par là, toi. Il est pas mort, l'autre. Putain. Faut me tuer encore. Allez. Sinon, je vais aller le ramasser normalement. Alors est-ce qu'il y en a deux qui vont se ramener encore ou... Allez, venez là. Ouf. Qu'est-ce que j'aime pas ça. Tout à l'heure, comment j'y étais, oui. Excusez-moi. Putain, ça fait faire la deuxième fois que j'éternue pendant ce let's play. Je suis en train de couvrir quelque chose ou quoi. Finir par être malade au bout d'un moment. Donc, on ramasse ça, on pose le fusil à pompe. Hop, voilà. Et cette fois-ci, on fait pas la même connerie. On appuie sur F pour descendre l'échelle. Voilà, c'est bien mieux comme ça. J'aurais fait ça, ça nous aurait évité toute cette partie de vidéo que j'ai dû recommencer. Tant pis, hein. Je pense que vous appréciez mes fails de toute façon. Alors c'est bien par là qu'il faut aller. Hein. En tout cas, j'espère. Je pense que c'est par ici. J'aime pas, c'est de plus en plus sombre. Bon. Une petite trousse de soins, ça fait du bien. Le gun, j'hésite à le prendre. Est-ce que je le prends? Ouais, non. On a des bonnes armes là sur nous. On a pas trop de munitions, mais
ça devrait être suffisant. Ah, petite sauvegarde automatique. Il y a un gars là-bas, je l'ai vu. Alors, est-ce qu'il y a d'autres soldats qui... Il y a ce connard. Ils aiment vraiment pas les gros, là, ils sont chiants. Est-ce que quelqu'un connaît une méthode pour les tuer rapidement? Je suis preneur. Oh putain. D'accord, là il y a vraiment du people avec lui. Putain. Cet épisode c'est pas... J'ai pas de chance. Bon. J'ai quoi comme arme? Ça, ça avait pas l'air très efficace contre lui. J'ai pas grand chose. Hein. J'ai zéro grenade. On va essayer de se le faire en un contre un. On aurait bien buté avant ses potes. Hop, on recharge. Oh, pas cette arme. Il y a un type en haut. Je l'ai vu. Allez, montre-toi. Putain, je le vois plus. Ah, j'ai ça. C'est pas efficace contre lui, quoi. C'est ça le truc qui est chiant. On va attendre que les réflexes remontent. Et on va en profiter aussi pour récupérer un peu d'énergie. Allez. Viens là, mon salaud. Je crois qu'il faut que je lui tire dans les jambes en fait. Oui, là, ils sont tombés une grenade là, j'ai entendu. Non, c'était pas une grenade. Je crois qu'il faut leur tirer dans les jambes en fait. Parce que regardez au niveau des jambes, et même dans les bras d'ailleurs, ils ont pas de protection. Bon. Faire le plein de munitions là parce qu'on en a vraiment besoin. Ça va être vraiment de plus en plus tendu je crois au niveau munitions. Putain mais il y a un autre connard. En fait, il s'est enfermé dans la salle, quoi. Il avait peur ou quoi? Ah non. Bah, il a passé par où? À moins que je l'ai eu. Oh. Il est où ce con? Bon, à mon avis, on va le recroiser, hein. Wow. On voit vraiment rien du tout. J'ai rien pour les tuer quoi. Je crois que c'est... Ah là là. Ouais, j'ai vraiment pas beaucoup de munitions. Hein. C'est vraiment chiant. Ah. C'est enfoiré. Ah bordel. C'est quoi cette arme? C'est un lance... On dirait un lance-roquette.
Il y a écrit quoi? Fusil à particules. Type 7. Ah mais en fait c'est juste des munitions. Faut que je les tire à l'arme. Mais il l'a pas ramassé tout seul, cet imbécile. Par contre là, c'est bien un lance-grenade. Je vais le prendre tout de suite. Ah non, je vais pas les tuer avec mon lance-grenade. Ce serait gâchis de munitions. Putain. Je suis un peu concentré là, hein. C'est pour ça que je parle pas. J'ai déjà fait beaucoup de fails dans cette vidéo et j'ai pas envie que ça recommence non plus trop de fois. Ah putain, il est là. Sa présence est puissante ici. Je m'approche d'Alma. Et donc elle a de plus en plus de puissance. Hein, je répète juste ce qu'il vient de dire. Ça veut dire que... À mon avis, on va avoir de plus en plus peur. Ah d'accord. Wow. C'était quoi cette arme? Tiens. Eh hey, mais sérieusement là? Il veut pas mourir? C'est quoi Storm? Ah, attendez, est-ce que là il me faut vraiment des munitions hein? Faut... Ah bah voilà. Ouais. Mais par contre... je sais pas quoi prendre, du coup. On va aussi tomber le lance-roquette. Hein. Bon, il y a un gilet pare-balles, là. Ah là là! Des petites grenades. Là il me reste 3 trousses de soins. Ce serait bien que j'en récupère des trousses aussi. J'ai l'impression qu'on s'approche de la fin du jeu. Alors, il est pas bien long, hein. Une dizaine d'heures. Mais c'est vrai que j'hésite à vous faire peut-être plus tard. Je vais pas enchaîner tout de suite avec encore du fire. Peut-être plus tard la suite de FIR 1, donc ce sera pas FIR 2 ni FIR 3, mais les deux en fait DLC, enfin les deux add-on on va plutôt dire, parce que c'est pas, à l'époque c'était pas des DLC, on disait add-on, et c'est vraiment comme un FIR complet quoi, un jeu complet, parce que le DLC dure aussi longtemps que le jeu complet, c'est-à-dire une dizaine d'heures. Donc je pense que je vous les ferai peut-être... plus tard, mais pas tout de suite en tout cas. Je sais pas du tout par où passer. Alors est-ce que tu veux me dire où est-ce qu'il faut aller, Madame Irma? Oh, j'ai des portes comme ça. Ah non. Je m'attendais à ce qu'il y ait une vision avec, vous savez, le sang au plafond, là. Mais pas du tout. Ah, j'aime pas, c'est trop calme.
Ah putain, merde. C'est pas possible. Je vous disais que c'était trop calme. Il y en a un autre là-haut. Allez, approche-toi vers moi. Voilà. Je vous disais que c'était beaucoup trop calme. Ah, putain de merde. J'ai même lâché ma souris là, donc j'ai eu peur. Enfin, je pense que vous aussi, ça vous a surpris, hein, de toute façon. Voilà, là, c'est bon, hein. Tu me feras pas peur deux fois, toi. Hop. Bordel. Je crois que j'ai... Pour le moment, c'est la... Enfin, d'une... C'est peut-être la... La première fois que j'ai eu aussi peur pendant ce let's play. Le truc qui m'a le plus surpris, en tout cas. C'était pas non plus de la peur. Oh, je vais pas dormir ce soir à cause de ça. Non, non. C'est vraiment... Ça m'a fait un sursaut, quoi. Ça m'a surpris. Ils aiment pas ces mecs invisibles. On n'a rien à récupérer ici. On peut pas l'arrêter. Mais d'où vient cette saleté? Battez-vous entre vous, les gars. Moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Wow. Ils ont pété la porte, quoi. On va faire le tour, on va vérifier que... Rien qui traîne, mais je fais bien de vérifier vu qu'il y a plein de trousses de soins et tout le bordel. Wow. D'accord. Alors, attendez, on va tester notre nouvelle arme. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air pas mal, je crois. Que ce serait bien qu'il meure là quand même. Wow, il y en a deux, quoi. Bordel, il y en a un deuxième. Je sais pas si ça va être efficace contre lui. Il a pas l'air de le voir, hein. On va en profiter. Bon, ça a l'air efficace contre eux, hein. Faut juste être précis. Moi, ouais, c'est cool que le deuxième j'ai pu le tuer facilement comme ça. On n'a pas un troisième, c'est bon. Je récupère un gilet pare-balles sans le vouloir là. Bon, allez. C'est vrai que avec la mitraillette j'ai pas énormément de munitions et là avec celle-ci il me reste que 6. On se fait beau. Je l'ai désintégré. Wow, wow. J'étais ou pas? T'avais pas eu, salaud. Bon. Je crois que... Je vais prendre leur arme. Parce que là... Ça fait vraiment juste. Mais là... Pourquoi tout à l'heure, je suis passé ici, j'ai pas ramassé ces munitions, quoi.
C'est quoi ce bruit qu'on entend? On entend un bruit bizarre ici. Ah, la caméra. On peut pas la casser. Ok, tant pis. Oh là! C'est quoi ça? Ah, bah merci, c'est gentil. Du coup, qu'est-ce que je fais? Ouais, on va prendre ça, hop. Ah, apparemment, c'est un endroit top secret. Ah, ça c'est la caméra que je voulais péter tout à l'heure. Oh, j'aime pas ça du tout. Putain. Pourquoi? J'attends que la lumière remonte là, enfin mon... la lampe. Ici au son. Torche. Les bazones vient d'arriver. Heureux de l'apprendre. Merci de votre aide. J'aurais aimé pouvoir en faire plus, comme botter des culs par exemple. Ouais. Et je crois que t'aurais aucune chance contre Alma. Wow. C'est normal ça? Marre de sang. Oh putain, il y a Alma là. Putain. What the fuck. Putain. C'est quoi ce bordel? Je comprends rien. Wow. Ils arrivent d'où? Non, non. Putain, mais sérieusement. On les voyait même pas, les monstres. Bon, c'est peut-être moi qui faisais aussi n'importe quoi, je ne sais pas. Allez, il va falloir que j'arrête bientôt cet épisode aussi. Je sais pas combien de temps il dure, mais il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Oh là. Dégagez de là dès que vous aurez Wade et la fille. Ramenez-les à la base pour que je les interroge en personne. D'accord. Bonne chance. Merci, je vais en avoir besoin, je crois. Bon, bah, vu qu'il y a un chargement, je pense que cet épisode sera peut-être un peu plus court que ceux que d'habitude. Mais voilà, il s'est passé plein de choses et... Et puis voilà, c'est tout. Parce que je pense d'ailleurs que la prochaine mission va être très longue et je dépasserai le quota. Du coup, ouais, je vais faire une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Je vous dis à la prochaine en espérant que cet épisode vous ait plu. Bye tout le monde.